Alors, la question du jour m'a été posée sur Instagram et c'est une question poule. C'est à quel âge les poules commencent-elles à pondre, puisque la personne en question a une poule de 5 mois et toujours rien. Ça dépend en fait. Ça peut être assez variable selon les races. On va dire que la moyenne, toutes races confondues, c'est à peu près 6 mois. Mais les races naines, par exemple, vont avoir tendance à pondre plus tôt. Ça peut être 5 mois, voire même un peu avant. Les races légères, c'est pareil, c'est plutôt 5-6 mois, voire parfois avant. Pour les races moyennes, comme la Marance, la Sussex, la plupart des poules fermières, ça va être plutôt 6-7 mois, voire même 8 mois, ça serait pas forcément bizarre. Et pour les races très lourdes, qui dépassent les 3 kg à l'âge adulte, comme la Brahma, l'Orpington, la Cochin, là on va vous dire, vous lirez sur certains sites, qu'elles peuvent commencer à pondre aussi tôt que les races légères, à partir de 5-6 mois. Mais dans les faits, je suis pas d'accord avec ça. D'abord, j'ai jamais vu une poule de ce poids-là pondre aussi tôt. Et surtout, faut bien se rappeler que la ponte chez les poules, c'est pas pour nous faire plaisir, pour qu'on fasse des omelettes, c'est avant tout pour se reproduire. Et ça tombe sous le sens qu'une poule, elle va pas commencer à pondre tant que sa croissance n'est pas terminée. Donc pour les races à croissance très lente, comme la Brahma, encore une fois, c'est un bon exemple, en général, faut compter plutôt 8 voire 9 mois. Après, ça peut dépendre aussi de la période de l'année à laquelle vos poules sont nées. Si elles sont nées au printemps, elles peuvent commencer à pondre plus tôt que celles qui seront nées en fin d'été et qui attendront parfois le printemps suivant pour commencer à pondre, parce que la ponte, c'est aussi lié à la durée du jour, et que donc tant que les jours sont très courts, il y a beaucoup de poules qui ne pondent pas. Surtout les jeunes poules, elles commencent pas toujours à pondre en saison froide si elles n'ont jamais pondu. Voilà. Donc j'espère que ça répond à ta question. Je sais que c'est pas vraiment une réponse hein, quand on commence à dire peut-être, ça dépend, etc. Mais voilà, ça dépend quand même beaucoup de la race des poules et aussi de la saison et bien sûr de l'alimentation. Je le répète encore une fois, on en a parlé en vidéo il y a pas longtemps, mais l'alimentation, c'est hyper important. Si vous avez des poules qui ont une mauvaise alimentation, une alimentation pas équilibrée, qui répond pas à tous leurs besoins, la ponte s'en ressentira, ça de toute façon dans tous les élevages, si vous voulez réussir la reproduction. Et la ponte, qu'on veuille ou non de la reproduction, ça a quand même à voir avec la reproduction. Si vous voulez que les poules pondent bien, il faut qu'elles soient bien nourries avec une alimentation qui répond à tous leurs besoins. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.